voyez l'idée? Un peu là. LOL. Merci. Sans déconner. Ça c'est fail, comme on pourrait dire. Bah voilà, c'est ça qu'on voulait voir. On aurait dû commencer par là. Bon, c'est pas grave. Diamant. Diamant. Piège. Ah non. J'ai cru. Pas des pièges. Bon. Par contre... Là, il y a des pièges. Oh, oh, oh. Je ne vous permets pas. Ok, ok, ok. Je crois qu'il y a plusieurs diamants qui ont fini dans la lave, du coup. Au moins un. J'en ai récupéré combien? 5. Il y en a là encore. Non mais, regardez-moi ces rats, quoi. Genre, il y a la source de lave aussi, juste pour vous embêter. Oh, putain, je reste pas là. Regardez ces rats, quoi. Le mec... Il y a des pièges toutes les trois pas, quoi. Ça teste vraiment savoir si vous avez les bons réflexes, hein, cette map. Allez, hop, là. Bon, bah, ça a l'air pas mal, tout ça. Je récupère ça. Je reste quoi? Une pelle, là. Ça, allez, je prends la stone. C'est presque plus intéressant que la pelle. Faire ça comme ça. Bon, je suis pas mal. Je suis pas mal. Je vais remonter. Alors, si je retrouve la sortie, hein, 100 ans, je devrais quand même. Enfin, pour ma part, je pense que le donjon, on en a fait grosso modo le tour. Donc je vais en rester là pour celui-là, je vais aller chercher un peu les autres. On va d'abord aller rapporter le matos, tout le matos qu'on peut. Alors là je suis trop tenté. Alors. Ok. Bon, ça c'est fait. Je suis trop tenté par le fer qui traîne ici, hein. Donc je le prends. Je ramasse ce que je peux au passage. Enderman et squelette. Bon, l'Enderman, je ne le regarde pas. Tout devrait bien se passer. Voilà. Alors, du coup, on va remonter. Hein. J'ai retrouvé la sortie sans trop de difficultés, en vrai. Et pour moi, cette mine, je vais en rester là. Donc, on va prendre encore tout le matos qu'on peut. Avec nous.
Pas mal là, le matos. Ça, je voudrais bien le récupérer quand même. Bon, pour 2 de bois, on n'en fait rien de 2 de bois. 7 diamants quand même, pas mal. La stone lisse, bien sûr, je la ramasse, hein. La soupe, ce serait bien de l'emporter aussi. Bon, au pire, je sais qu'elle est là, je peux faire des allers-retours, hein. Ça, c'est toujours mieux qu'une pelle en pierre. Quoi d'autre? Les os, ça, je peux embarquer. Oula, MSN qui fait des siennes. Excusez-moi. J'espère que vous n'avez pas trop sursauté. Alors, qu'est-ce qui se passe par ici? Un lac de lave et un creeper mal placé. Allez, zou. Fousroda! Ah non, pas Fousroda, je l'ai raté. Alors, le squelette, il me fait encore plus caquer, là. Il m'ennuie, le squelette, là. Allez, zou. Ah, l'araignée! Araignée! Donc, c'est Aladdin, tout ça, hein, pour les connaisseurs. Non, je t'ai pas ajouté sur Diablo, j'ai complètement oublié, mais en même temps, faut dire que j'ai pas rallumé Diablo depuis. Donc, bah, excuse-moi. Je fais que je sais même pas si j'ai noté ton pseudo Diablo en fait. Donc, si tu pouvais me le rappeler, du coup, cette fois j'essaierai d'y penser. Prochaine fois que j'ai le jeu, je vais le noter quelque part. Mets-le-moi bah, en MP si tu veux. J'essaierai d'y penser, promis. Après, faut encore que je ramène, que je relance le jeu, hein, parce que c'est vrai que ça fait un moment que je l'ai plus fait. Hop là, il s'est passé un truc un peu zarbi. À tous les coups, je pop dans le mur. Non? Ça me donne envie quand même. Non. Fausse alerte. Ok, bon, le jour est venu. Nathaniel s'en est rentré chez lui. Les modes sont pas flippants. Enfin, pas plus que ça, je trouve. Cauchemar level 30, je devais. Bah, tu dois gentiment me rattraper, Dorian, en fait. Je me suis arrêté à l'acte 2 en cauchemar, donc ça fait à peu près ça. Je pense. Peut-être car je dois approcher du 40, peut-être. Mais pas beaucoup plus. Hop là, allez, voilà. Donc. Des diamants, on en a 21, ce qui est bien. Un CD, on en a qu'un seul, hein, ça c'est moins bien. Cobra, Coral, hein? D'accord. Du fer, on en a un certain nombre. Ok. Donc en fait, je peux rien mettre dans ce coffre. Bon, bah ça c'est fait. Alors ça va pour là. Déjà. Non, ça va aller dans un four en fait. Ça réglera la question. Alors, je la garde, la pioche, je la garde. Bon, écoutez, en attendant de faire du tri, hein, donc comme je l'ai dit, je vais déposer les affaires ici. Récupérer ces torches, parce que j'ai quand même bien bouffé les torches. Les minecarts qui servent à rien, quoi. Ah non, mais ils sont cooked ceux-là, c'est ceux-là qu'il faut mettre. Je me demandais. Bon, vous m'excusez une seconde, je mets un peu de lumière dans les pièces de la maison, parce que là, on n'y voit plus grand-chose, hein. À tout de suite, excusez-moi.
Allez, re tout le monde. Donc on est reparti hein, tout de suite, sans plus attendre. Merci pour le pseudo d'Orion. Je vais le noter cette fois. J'oublierai pas. Excusez-moi donc pour l'attente. Le poisson cuit tranquillou. Allez, stone. L'idée, c'est quand même d'avoir un peu de stone lisse. Je rappelle que je dois faire une forteresse sur la map. Alors, du coup, ben, on prend de la stone. Hein. Allez, gunpowder, ça me sert pas. Les flèches, j'en ai pas besoin d'autant sur moi. Iron boot, protection 3, je crois que j'ai mieux. Des boucliers, des épées. Il y a tout ce qu'il faut dans ces coffres, en vrai. Franchement, je suis vraiment pas pauvre en ressources. Alors, moi, ce que je vous propose, alors déjà, c'est de manger une soupe. J'avais une soupe quelque part. Je l'ai laissée dans la mine. Qu'est-ce que j'ai fait de ma soupe? Je crois que je l'ai laissée dans la mine. Sniff. Ah, ça va aller dans le four aussi. Avec ça. Et ça. Bon, bah, j'ai laissé ma soupe dans la mine. Pas dramatique. Alors, ce que je vous propose, c'est d'aller explorer un peu vers la neige là. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a toute une région enneigée. Et je me dis en fait que. Ben, je verrais bien un autre donjon là-bas dedans. Et autrement, la jungle aussi, je verrais bien un donjon dans la jungle. Même si j'avoue, j'appréhende un petit peu la jungle à cause du lag. Parce que la jungle, c'est un environnement très très dense. Et ça a tendance à me faire laguer. Bon, un petit verre de Coca là, enfin de Pepsi. Enfin, on n'est pas, je suis passé à la concurrence. Donc du coup, peut-être pas la jungle. Ouais, la neige, ça me paraît bien. La neige, ça me paraît pas mal. Je vais laisser ça par là, j'en ai pas besoin. Pff, en vrai, est-ce que j'ai besoin de me faire une armure en diamant? Non, j'ai tout est enchanté. Par contre, elle a pris des sales coups, mon épée, mon armure quand même. Hein. Allez hop, le poulet. Bon, on n'a pas besoin du poulet pour l'instant non plus. Hein. On va le laisser ici. Je reprends la boussole. Ben, on sait jamais. Je reprends ça. On sait jamais si on croise des moutons. Et du coup, on va manger un peu de poisson. En haut de la montagne, j'y suis déjà allé, Cernès, je crois. Si tu dis cette montagne là à gauche, j'y suis déjà allé. C'était dans le premier épisode, enfin la première soirée. Voilà, mon dieu, j'ai scandalisé Fofo vu que je suis passé à la concurrence. Bon, non, ce qu'on va faire nous, c'est vous rappeler où les ours blancs étaient morts. Vous m'avez tué, bah on va continuer par là-bas. Et accessoirement, donc gardez les yeux ouverts. Par exemple, ça. On y va. Ça. Ça appelle les CD. On va éviter de courir en fait. Vaches, des vaches, des cochons, des poulets. Une chaîne de montagne. Alors. Iron chest plate, fire protection 4. Alors, comment je repose ça maintenant, moi? Explorer. Là, il y en a un autre un peu isolé. On va passer à très au-dessus de cette montagne, carrément, je pense que ça paraît une bonne idée. Alors ici, y aurait-il quelque chose d'un peu particulier? J'ai pas l'impression. Ah, peut-être ici. Non. Rien de très spécial. Alors là, il y a un autre arbre que je vais. Que je vais aller examiner. Attendez, j'en perds mon casque du coup. Rien d'intéressant sur cet arbre. Donc bon, bah, on va passer la montagne.
Et à tous les coups, ben, il va se mettre à faire nuit et je vais devoir me barrer en courant retour à la maison. Mais bon, c'est pas très grave. On n'est pas encore très très loin. Peut-être qu'on trouvera même un donjon avant d'être dans mauvaise posture. Alors, je sais pas si vous avez vu, rapport à la prochaine mise à jour de Minecraft. En tout cas, moi j'ai lu quelque chose qui m'a troublé. Et qui m'a fait peu envie en fait. C'est qu'a priori le mode solo en tant que tel va disparaître. Et il n'y aura plus qu'un mode multijoueur où, en fait, où vous pourrez jouer seul. Mais les deux modes vont se confondre. Donc le mode multijoueur et le mode solo. Un peu comme Diablo en fait. Et moi l'idée me plaît pas des masses. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, par exemple, le jeu ne sera plus en pause quand vous ferez échappe. Donc pour moi, ça a que des désavantages. Je vous avoue que je fais pas partie des gens qui trouveraient marrant que tout d'un coup un de mes potes se pointe dans ma partie solo. Quand bien même ce serait un pote, hein. Enfin, si c'est une partie solo, quoi, c'est une partie solo. Oula. Éternuement. Cacahuète RDI, effectivement. Ah, je suis en haut d'une montagne. J'espérais y trouver des choses intéressantes. J'y trouve des blocs de neige. Bon, pas très grave, hein. C'est pas très grave. Alors, peut-être là-haut. J'ai pas l'impression. Quelque chose de notable. Je suis le roi du monde. Ok, va faire nuit maintenant. C'est malin. Je savais de toute façon que ça finirait comme ça. Oh yeah, là, allez, c'est ça, on n'est pas venu pour rien, on n'est pas monté pour rien. J'aurais préféré un CD, je vous avoue, parce que là, bah, le diamant et l'or, j'en ai plein. Mais donc, c'est qu'il y a des coffres planqués à ces altitudes. Pourquoi je fais ça, moi? Reviens ici, toi. Eh, on peut réparer les pelles magiques? Genre si je me fais une pelle normale puis que je la mets dans la craft box avec une pelle magique, ça répare la pelle magique? Aïe. Je viens de me briser les jambes. Alors il fait tout noir. Donc ça c'est bien le coffre que je viens d'ouvrir, hein, on est d'accord, oui. C'est bien ça. Donc par où aller? Bon, il est pas par là, il y a un creeper. Je peux pas le taper, lui. Voilà, ça c'est liquidé. Il y avait un creeper sur ma gauche, alors je me méfie. Je vais redescendre par là.
suis à hauteur des nuages. Et donc je vais me diriger par là-bas, là, de l'autre côté de la chaîne de montagne. Apparemment au moins. On en a tellement d'autres. Alors, qu'est-ce que vous racontez un peu? Je regarde un peu là. Fais-moi un iglon. Je fais pas des igloos. Captain Igloo fera ça très bien. Moi, je suis pas fan des igloos. Je sais pas en faire en plus. Vas-y, dessiner des cercles en Minecraft. Moi, ça me prend toujours 10 ans et demi. En fait, c'est complètement cheaté parce que je joue pour les besoins du live, pour que ce soit bien clair. Pourquoi il a explosé? Mais oh. Je joue en luminosité maximum pour les besoins du live, que chez vous ça sorte pas trop mal. Et du coup, ben, je peux me balader de nuit, j'y vois comme en plein jour. C'est un peu cheaté en fait, maintenant que j'y pense. Bon, je vais pas laisser cet arbre volant. Conscience professionnelle oblige. Celui-là non plus, hein. Voilà, bon. Alors, moi, c'est par là-bas que je vais. À travers la banquise. La lila la la. Ouais, excusez-moi, je bois une gorgée. Sinon, je me stresse pas. Parce qu'il y a pas mal d'ennemis quand même. Il n'en est pas mort. Ouais, là ça risque d'être quand même légèrement plus compliqué que ce qui n'y paraît. Hein. Il y a énormément de bestioles. Donc je suis sur la banquise, ça va. Ok, bon bah je vais rester par là. Je vais rester tranquillou jusqu'au soir. Enfin, jusqu'au matin plutôt. Jolie montagne en tout cas, très jolie map. Hein. Vous pouvez trouver The Forgotten Land sur le net. Vous pouvez la télécharger si vous voulez essayer. Je vous demanderai juste de pas me la spoiler si vous la faites. Allez, toi t'es free là, toi t'es gratos. Hop, j'ai fait une percée. Il y a un loup-garou là. Bon bah. Moi les loups-garous. Aïe. Je profite que j'ai une bonne armure et je les tue. Alors, il y a un arbre. Ça va devenir un réflexe hein, sur cette map. Vous voyez un arbre, vous creusez dessous. Je vois de la lumière. C'est moi qui ai laissé de la lumière là? Mais c'est pas possible, je suis jamais venu. Ah, voilà qui paraît intéressant. Viens ici, toi. Merci. Alors, on va aller voir ça. Ah, de la lave. D'accord, un petit lac de lave, là, pour dire bonjour. Il y a un truc un peu zarbi dans cette lave. J'ai gardé mon seau d'eau.
Hey, j'ai l'œil, hein. Alors maintenant, je suis en train de me dire que j'ai raté des trucs dans la caverne. Parce qu'il y avait pareil. Il y avait pareil dans la grotte, donc bon, bah, il faudra peut-être y retourner, hein, à l'occasion. Ouais, je pense que j'ai raté des trucs dans la caverne. Sachant que c'est probablement un CD, enfin, que c'est possible que ce soit un CD. CD, ils sont bien planqués, hein, je les ai toujours pas trouvés. Donc pas de CD ici non plus. Ah, par contre, il y a... Non, je me faisais attaquer. Je sais pas pourquoi. Pas de CD sous cet arbre. En tout cas, là, on est en pleine tempête de neige, de nuit. Il n'y a pas tant de mobs que ça. Les statistiques, c'est-à-dire... Aïe. T'es mort. Bien fait pour toi. Allez, le jour va se lever. Voilà, tempête de neige, c'est pas très bon pour mon PC. Là, j'ai quelques freezes. J'espère que ça se voit pas sur le live. Bon, pourtant, c'est que Minecraft, hein, mais bon. En matière d'optimisation, j'ai déjà vu des jeux un peu mieux. Allez, la petite musique là qui va bien. Par contre, c'est blindé de bestioles de partout. Aïe. Oh. Bah boum quoi. T'as qu'à faire boum. Vas-y, on t'en dira rien comme dirait l'autre. Il est horrible le temple. Bon, après, tu spoil pas grand chose, hein. C'est assez évident qu'il y avait quelque chose dans la jungle, hein, mais. Aïe. Aïe. Bon, du coup, comme il neige, qu'il fasse jour, changera rien. Hein, on est d'accord. Ça a continué à m'agacer. Ah, ça commence à faire un peu mal, hein. Voilà, ça c'est fait. Alors, montagne isolée égale grotte oubliée. Non, elle a plutôt œuf de poulet, mais ça rime pas. La montagne. Bon, bah on va monter, hein. Je sais pas. On verra bien si ça mène quelque part ou pas. Bon, en même temps, si c'est un temple ou une grotte ou un truc, je le verrais plutôt en dessous de la montagne qu'au-dessus, hein. En même temps, j'ai l'impression que je tourne un peu en rond. Alors là, il y a des trucs un peu chelous. À ma droite, là, il y a des trucs un peu chelous. Là-bas aussi, il y a un truc un peu chelou. Je les note dans un coin de mon cerveau. Alors, quelle heure? 22h12 déjà? Alors, je vais profiter de ce moment où il se passe pas grand-chose. Pour ben faire un petit sondage auprès de vous, parce que je vois que vous êtes encore très nombreux ce soir, je vous en remercie toujours autant. Est-ce que certains d'entre vous seraient intéressés par des streams de ma part sur d'autres... Ah, ça c'est bien ça.
sur d'autres jeux que Minecraft. Et ça, c'est bien ça, c'est des... Donc, est-ce que certains d'entre vous seraient intéressés donc par d'autres streams sur d'autres jeux, donc en dehors des heures de la web team Minecraft? Alors, bah, je sais pas, ce serait bah, par exemple, là je me suis mis à Torchlight, donc pourquoi pas Torchlight ou Skyrim ou des RPG principalement, du Diablo, hein, sinon, du League of Legends, du StarCraft 2, y a plein de possibilités. Maintenant, bon, sachant que je suis assez nul sur StarCraft 2 et que sur League of Legends je rage. Donc c'est pour sonder un petit peu. Voilà, qu'est-ce que. Ça peut être Torchlight, ça peut être plein de jeux, ça peut être Amalur, ça pourrait être Baldur's Gate, hein, à la limite, pourquoi pas, le 2 donc. Il y a pas mal de possibilités, j'ai pas mal de jeux, mais enfin c'est pour sonder un petit peu si ça intéresserait les gens. Parce que bah, en l'état, techniquement, c'est très difficile pour moi de stream autre chose que du Minecraft. Mais si jamais vous me dites... Vous me dites que ça vous intéresserait, si vous avez des jeux d'ailleurs qui vous intéresseraient en particulier, et qui si se trouve que je les ai, ben pourquoi pas. Hein. Mais ça demanderait que j'investisse dans une connexion meilleure. Et du coup, ben, c'est pour ça que je sonde un peu l'opinion avant, savoir s'il y aurait du public ou pas. Donc pourquoi pas, dit Epic. Donc ça se passerait pas ici, hein. Ce serait pas sur Millennium, en tout cas pas dans un premier temps, à moins que je postule pour la TV3, mais bon ça c'est encore une autre histoire. Ce serait sur Twitch. C'est vrai que si vous êtes une petite dizaine intéressés, ça vaudrait presque la peine que j'y réfléchisse sérieusement. Ouais, du Pokémon, pourquoi pas, ça du Pokémon Gem, je pourrais vous en faire, hein, si ça vous intéresse. Si quelqu'un est intéressé par du Pokémon Gem. Alors pas ce soir, parce que ce soir, il y a une petite surprise après mon stream, d'ailleurs faudra pas partir. À 21h, Pimpri sera dans la place et vous réservera une petite surprise. Alors les habitués se doutent, je pense, déjà de ce que sera la surprise. Ah bah je suis déjà venu ici, hein. Hop. Du Pokémon Gem, on pourrait envisager ça. Bah écoutez, je vais vous remettre. Donc voilà, le Facebook. Abonnez-vous sur le Facebook et je vous avertirai sur le Facebook et sur YouTube si vous voulez, bah, s'il y aura du stream de Pokémon Gem à un moment ou à un autre. Donc comme je disais, pas ce soir, parce que bah, ce soir, c'est Pimpri qui reprend le stream et bah, je veux pas lui faire concurrence. Donc ce soir, vous aurez encore du Minecraft après ça. Mais pourquoi pas un autre lundi soir, genre lundi prochain, vu que maintenant je suis en vacances, je peux faire un peu tard. Donc si ça intéresse des gens, Pokémon Gem, ça fait partie des choses qui sont possibles. Donc pourquoi pas, hein? Moi je dis pourquoi pas. Après Pokémon Gem, bon, ça vaut ce que ça vaut, hein. Là il y a des trucs un peu zarbi. Rappelez les cercles de fleurs, tout ça.